Hey, salut à tous, c'est HTMother, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super, je suis un petit peu dégoûté parce que je sais pas si ça va s'entendre mais ça fait 3-4 fois que j'enregistre le commentary tout simplement. J'ai eu un problème, j'enregistre avec mon Blue Yeti et comme ma pièce est un petit peu vide hein, hormis tout le matos, voilà. C'est un peu vide, il n'y a pas vraiment de meubles à part mon lit, mon bureau et tout en fait. Si on oublie la télé, etc. C'est totalement vide et du coup, j'enregistre avec le Bouletti. Tout va bien, tout va très très bien. Je fais le rendu, etc. Je me dis, merde, le son de ma voix fait quand même de l'écho. Il y a un petit écho, un bruit de fond, vous voyez. Genre comme si je parlais dans une pièce vide. Normal, je parlais dans une pièce vide. Donc voilà, donc c'était un bruit assez relou, donc je re-enregistre avec mon triton, tout simplement, donc voilà quoi, c'est... au moins il n'y a pas de problème, je suis sûr de ce micro. Vu que je parle à côté, forcément ça fait moins de problèmes, donc désolé. Je sais pas si ça s'entend, mais il ne faut pas que je m'embrouille maintenant. Hein, parce qu'au bout de 3-4 fois, on s'embrouille un petit peu, on sait plus ce qu'on dit. Essayez chez vous. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand tu dis la même chose à une personne, tu peux pas faire la même vidéo. C'est une nouvelle vidéo que je fais. Ça fait 4 fois que j'enregistre la même vidéo, mais ça va pas être les mêmes paroles que je dis. Bref, je vais arrêter de m'emporter, on va tout de suite parler du gameplay. Donc c'est une DNA sur Rio, à l'Obsidian. Ça fait suite un petit peu à la vidéo sur Biolab, où j'ai fait une DNA sur Biolab. On m'avait dit... j'étais un peu dégoûté, enfin, elle était pas belle pour moi, cette DNA. Quand je l'ai faite une Obsidian, égale dégueulasse, voilà. Une variante égale noob, comme je dis souvent, et j'ai eu beaucoup de retours positifs, hein, clairement... Ouais. Tout le monde me disait, écoute, ta DNA, elle est belle, elle est faite à l'obsidienne, mais j'aime bien. On m'a beaucoup sollicité pour que je refasse, et surtout un certain, faut que je trouve ton pseudo, FaZe3 qui est un viewer actif sur Twitch, un joueur très très actif sur Twitch, un viewer très actif sur Twitch, et quand il a vu cette DNA, il m'a dit, écoute, Moza, ta DNA, elle était belle. Reproposons-nous des DNA variantes, et j'ai dit, bah écoute, j'en ai une en tête, c'était ma deuxième DNA, donc je sais pas si j'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est ma deuxième DNA faite sur ce jeu, forcément, hein. C'est ma deuxième DNA, donc il y a eu la première que pour certains ont déjà vu, pour ceux qui me connaissent, de Code QG, vous l'avez forcément vu, bah, parce que c'est ma vidéo qui était postée sur Code QG au début du jeu, parce que c'était la première DNA mondiale en EC, on est toujours en EC. Sur ma deuxième DNA, voilà, on est toujours de l'EC. Bah, tu sais, la première DNA que j'avais faite mondiale en EC a été postée sur Code QG. Et du coup, beaucoup de gens m'ont découvert grâce à ça. Et là, c'est ma deuxième DNA. Je t'ai jamais proposé parce qu'elle a été faite à l'Obsidian. Mais voilà, je la propose aujourd'hui. Donc, c'est ma deuxième DNA. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu ma première DNA, ceux qui ne me connaissent pas grâce à Code QG, ceux qui voudraient voir ma première DNA, je la mettrai en annotation. Comme ça, vous pourrez directement aller cliquer sur le lien et aller voir la vidéo, tout simplement. Au moins, vous ferez une idée de la première DNA que j'ai faite. Hein. Comme tout le monde, quasiment tout le monde a tous eu notre première fois. Notre première fois qu'on sorte une DNA, quoi. Et c'est toujours quelque chose de particulier de sortir sa première DNA, même la deuxième, même la troisième, même la quatrième. Mais la première, c'est un truc de fou. Tu sors ta première DNA, t'es satisfait. T'as réussi quelque chose, t'as fait la DNA, la KM, c'est toujours quelque chose de fort. Et voilà, je m'en souviens avoir fait la DNA, avoir coupé la play, avoir pris mon micro et avoir enregistré la vidéo. Tout simplement, je l'ai fait directement, j'étais pas mal au taquet, j'étais super content d'avoir fait, j'étais en stress de ouf. Enfin, c'était une DNA particulière pour moi. Bref, je vais la mettre en annotation, comme ça vous pourrez aller la voir et vous pourrez me dire ce que vous en pensez de cette première DNA et me dire aussi ce que vous en pensez de celle-ci. Donc voilà, et faites à l'obsidienne. J'ai oublié de dire que c'est une mission parfaite. Ouais, c'est une mission parfaite, tout simplement. Je vais pas mourir de la game, je vais pas vous dire en combien je finis. En tout cas, je suis juste à l'obsidienne, je joue avec rien d'autre. Juste obsidienne, j'ai juste ramassé la KF5 à un moment. Violeur silencieux et la K12. La K12, je sais plus quoi. La K12, bon, je sais plus laquelle que c'était. En tout cas, je l'ai ramassé et voilà. Donc, et principalement, c'est fait à l'obsidienne.
Je voulais vous dire quoi? Ah oui, voilà, tout simplement. Parce que je me perds dans ce que je dis. C'est pourquoi la série s'appelle Mission Parfaite. C'est pour les nouveaux abonnés, parce que il y a forcément des gens qui connaissent pas la série. Mission Parfaite, je l'ai appelée Mission Parfaite, cette série. Pourquoi? Parce que ma première DNA... le premier épisode, c'était l'une de mes premières vraies vidéos. Parce que ce qu'il fallait savoir, c'est que avant de faire des vidéos, je postais juste des clips sur YouTube, tu vois. Je faisais une collate. Oh, je la postais sur YouTube, voilà. Une collate sur Modern 3, directement, j'allais dans le mode studio. Et elle partait directement sur YouTube sans stress, tu vois, c'était juste une chaîne où je mettais des clips. Et j'avais décidé de faire une vraie vidéo pour une fois, et je l'avais appelée Mission Parfaite, parce que c'était une Moab, forcément sur Modern 3, où j'étais pas mort une fois de la game, et on était sur Mission. Et je me suis dit, au lieu de l'appeler, je sais pas comment, comme on était sur Mission, et que j'étais pas mort, et ben je l'appelais Mission Parfaite, la vidéo. Tout simplement, et du coup, la série est restée, la série a duré sur Black Ops 2, non, parce que j'ai pas vraiment pu y jouer, mais elle a duré sur Ghost, du Ghost, il y a pas mal d'épisodes Mission Parfaite, sur Advance Warfare, il y en a un peu plus, je crois, je sais même plus combien il y en a, je vais pas dire des bêtises, mais il doit y en avoir deux ou trois, que vous pouvez les voir, j'ai fait une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Mission Parfaite, pour ceux que ça intéresse, de voir tous mes scores parfaits, des vidéos où je meurs pas dans mes gameplays, où il n'y a aucune mort. Donc du coup, il n'y a aucun point de coupure, en fait. Je ne meurs jamais. Donc forcément, c'est plus beau. Là, ce petit campeur, oh, il est trop mignon. Vous allez le revoir bientôt, ce campeur. Hein. Clairement, vous allez le revoir très très bientôt. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, voilà pourquoi cette série s'appelle Mission Parfaite, pour la petite histoire, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Ça vient de là, tout simplement. Donc je voulais vous dire aussi merci les gars, on est 2000 abonnés. Faut pas que j'oublie de le dire, on est vraiment 2000 abonnés. C'est génial les gars, merci beaucoup les gars, on est 2000 abonnés. C'est énorme. Il y a pas mal de vidéos en préparation, dont un setup. Voilà, ça fait 2 ans, 2-3 ans qu'on me le demande. Souvent, très très souvent, et je t'ai toujours promis pour les 2000 abonnés. J'ai dit, si un jour j'arrive à 2000 abonnés, ce que je ne pensais pas possible il y a encore quelques temps, je proposerai ce setup, et du coup la vidéo est enregistrée, elle est en cours de montage, et j'espère vraiment vous la proposer pour très très bientôt, d'ici la semaine prochaine, j'espère qu'elle sera sur ma chaîne, voilà. Et puis il y a aussi quelques autres vidéos en préparation, dont un montage que Freezer vous doit terminer pour très très bientôt. Ça fait un mois que je lui ai demandé, ça fait un mois que je l'attends. Non, ça fait pas un mois. Ça fait un mois qu'il s'est proposé à la faire, et ça fait peut-être un mois que je l'attends. Voilà, ça fait un petit moment. Ça fait un petit peu trop longtemps. Je sais pas ce qu'il fait. Freezer, c'est du bon temps, dépêche-toi. J'en ai besoin. On veut tous l'avoir. Hein. Même moi, je veux l'avoir. Je sais pas à quoi ressemble. Je veux l'avoir. Donc, Freezer, si tu pourrais te dépêcher, cela. Parce qu'on est, plus de 2000 abonnés maintenant sur YouTube. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc merci les gars encore pour les 2000 abonnés. Là vous allez voir, je vais bientôt débloquer ma DNA. Je vais bientôt les débloquer. Et ce petit campeur, voilà, ce petit campeur qui était bien caché. Tout à l'heure il était planqué juste à gauche dans le vestiaire. Là il est toujours planqué dans le vestiaire, mais ailleurs. Je comprends pas. En même temps, à l'époque j'avais 2-5 de ratio. Je tombais quand même sur des uluberlus. Hein, des mecs, je sais pas ce qu'ils foutaient là. Ils étaient perdus sur la map. Ils étaient pas perdus. Je sais pas, il cherchait quelque chose, mais je sais pas. On a failli voir que j'ai failli mourir. Mais non, je ne meurs pas de la game, je lance ma DNA, et là, très très content de la lancer. Ma première DNA à l'obsidienne. Voilà. J'en ai fait quelques-unes à l'obsidienne. Et elle, c'est ma première à l'obsidienne. C'est ma deuxième DNA, c'est ma deuxième en EC. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. Je l'avais promis. Et puis si ça vous plaît, les DNA aux armes modifiées, aux armes variantes, aux armes que j'ai fait souvent armes de tricheurs parce que tout le monde les utilise en ligue et ça me fait chier. Mais bon, ces armes variantes, si ça vous plaît de voir des DNA aux armes variantes, j'en ai en masse à vous proposer des gameplays des DNA aux armes variantes, j'en ai vraiment beaucoup beaucoup. Donc si ça vous a plu, dites-le moi, si ça vous dérange pas de voir des variantes, je peux vous en proposer plus. Donc voilà, merci à vous les gars d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Si vous voulez me suivre, je suis tous les jours en live sur Twitch,
Je mettrai mes vidéos en avant sur Twitch, voilà, pour les viewers. Donc si vous voulez me voir sur Twitch, le lien de toute façon est dans la description. Ou suivez-moi sur Twitter, les gars, si c'est pas fait. Voilà, voilà, donc merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite, à très bientôt. Allez, ciao.